Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois avec l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 19 février 2021, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le prix Jean Boileau, 5e course de la Réunion 1, où 16 trotteurs âgés de 6 à 11 ans en découdront aux alentours de 13h50. Cette magnifique compétition européenne se disputera sur le parcours des 2925 mètres d'une rapide piste cannoise. Notons que nos trotteurs d'âge de bonne qualité ne se lanceront pas tous du même échelon de départ. En effet, les 6 plus riches rendront la distance de 25 mètres, ce qui nous promet une nouvelle course-poursuite très intéressante. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 5, Écureuil Génilou. Beaucoup de classe pour ce cheval à l'impressionnante musique. Gwen Junot, son pilote, trouve une belle occasion de s'offrir un quintet plus avec lui. En deuxième choix, le numéro 6, Rebella Matters. Jean-Michel Bazire veut lui changer les idées en l'emmenant sur la piste de Cagnes-sur-Mer avec l'aide d'un Christophe Martens à ses commandes, ne manquant que très peu ses cibles sur les bords de la Méditerranée. En troisième choix, retrouvons le numéro 15, Elsa de Belfond. Elle est une compétitrice de classe et jouissant d'une très belle expérience. Connaissant la piste comme sa poche, c'est la chaleur dans le clan Hench. En quatrième position viendra le numéro 10, Belle Émotion. Elle sera pilotée par un Tony Le Belair, peu habitué à se produire sur la Côte d'Azur ces derniers temps. Malgré tout, si elle prend la tête, attention les yeux. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 16, Bulle de Laumont. Elle n'est autre que la tenante du titre de cette compétition de grande qualité. Rendant la distance une nouvelle fois, elle peut faire le show dans la phase finale, avec l'aide de Stéphane Singland. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 7, Cristal du Lupin. Faisant plaisir à Jean-Charles Ferron depuis son arrivée dans ses boxes, il se présente au premier échelon dans l'espoir de conclure une fois encore dans le Quintet Plus. En avant-dernier choix, le numéro 4, Eden Basque. Il prend de bons chèques lorsqu'il reste au trot. Le voir une nouvelle fois terminé dans les 5 premiers ne serait finalement pas surprenant du tout. Pour clôturer ce pronostic, retenons la candidature du numéro 13, Alinea. Il demeure compliqué, mais s'il daigne rester au trot d'un bout à l'autre du parcours, nous savons qu'il est capable de réaliser un numéro. En cas de non partant, le numéro 8, Derby de Souvigné, qui est performant sans CFR selon Romuald Maurice, introduirait alors notre prono en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi après-midi, Top Prono et Turf Sélection ainsi que la Minute Quintée indiquaient le tiercé quarté Quintée Plus dans le désordre, ce dernier affichant tout de même un rapport de 166,40€. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du prono de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.